It's like really a strange thing. I just feel he's here, you know, like he sees us. I don't know. I feel like we're giving something of us to him, you know, after he gave us himself. He was so into gospel himself, and you just have a feeling that he's there. His legacy still lives on and on. And that's why he's the king. It's something that you can't explain in words. Bon, on va se le dire, je me ferai pas d'amis ce soir. On va se le dire en français. Elvis est toujours vivant, Jérôme, 40 ans aujourd'hui après sa mort. Il l'a dit, là. Grâce à deux industries. Celle du National Enquirer, qui nous ramène vivant Elvis au moins 3 à 4 fois par année. Et la deuxième, c'est les ayants droit, qui souhaite encore que la caisse enregistreuse continue de sonner. Ben oui. Parce que ne serait-ce que ce soir, il va y avoir 50 000 personnes qui vont aller à Graceland. C'est 600 000 par année qui décident de descendre à Memphis pour aller dans la... Tu sais, les gens achètent des billets, ils vont visiter ça. Puis je regardais les images. Ben, probablement que j'irais si j'étais là. L'introduction, oui. Sérieusement, il look encore. Je sais qu'il est décédé, là, mais c'est encore le king. C'est encore le king, Elvis. Il n'y en a plus des icônes comme ça. Il s'en fait plus des icônes artistiques du genre d'Elvis, Caroline. Alors, où sont nos icônes? Tu sais que les unes de partout à travers le monde, il y a 40 ans, Elvis nous quittait. 40 ans après sa mort, l'Amérique pleure toujours. L'Amérique pleure pas. On souligne ça. Pas, là. Il y a des gens certainement qui pleurent aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il va avoir, je sais pas moi, un Bieberland un jour au lieu de Graceland quand Justin Bieber va décéder? Pourvu qu'il passe au travers. Est-ce que tu penses que, on le souhaite pas, mais un jour, comme tout le monde, Justin Bieber va mourir, est-ce que tu penses qu'on va souligner sa mort 40 ans plus tard encore? La réponse, c'est non. Il y aura pas d'imitateur de Justin Bieber non plus 40 ans après sa mort qui vont remplir des salles pour faire des spectacles. Oui, c'est ça n'existe plus, des icônes comme ça. Ouais, ben, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on souhaitait débattre ce soir. Et on a cru bon inviter notre chroniqueur musical. Il est d'ailleurs de l'Université d'Elvis. Université de Graceland. Une majeure. Oui, une majeure en Elvis. Bonsoir, Yves Larrabée. Bonsoir. Je ne sais pas par quel bout commencer. C'est vrai que ça a été une icône, mais honnêtement, dans ma perspective à moi, c'est le National Enquirer, vraiment, et les ayants droit qui font que Elvis est toujours vivant 40 ans après sa mort. C'est un peu réducteur, Caroline, je sais, quand même. Je sais. Oui, mais on va en parler. Il est plus vivant musicalement aujourd'hui, en 2017, qu'il ne l'était quand il est décédé en 1977. Parce qu'en 1977, ceux qui ont 30-35 ans, c'est le départ de leur idole. Ceux qui ont 45 ans se disent qu'il était temps qu'ils partent, parce que leur chanteur préféré, c'était Frank Sinatra. Oui. Et ceux qui ont 25 ans, à l'époque, écoutaient Andy Gibb et les Bee Gees, que puis Abba avec Dancing Queen, dont je suis aussi. Alors, ce que je veux dire, c'est que Elvis est, à mon avis, la plus grande créature de show business de tous les temps. Okay. C'est encore plus grand que Michael Jackson parce qu'il a été le fondateur de ce que sont devenus les Beatles, U2, Coldplay, que je sais que tu aimes beaucoup, Caroline. Oui. Mais quand même, c'est ça. C'est une vaste opération de marketing. Aujourd'hui, on s'entend que c'est une vaste opération de marketing. On voyait, entre autres, la femme du regretté, Priscilla, qu'on sort à tous les années, là. Oui, mais il y a des fans, il y a du marketing, mais il y a des fans qui ont vraiment de la peine aujourd'hui. C'est pas juste du marketing, je pense. Bien, c'est 600 000 visiteurs par année à Graceland, 20 millions depuis 1982, en date de l'an dernier. Il faut dire que jusqu'en 1982, c'était Tom Parker, le fameux colonel, qui n'en était pas un, qui s'occupait de la carrière d'Elvis, qui l'a pas arnaqué, mais disons qu'il en a caché pour ses vieux jours. Oui. Dès 1982, Elvis Presley Enterprise s'est occupé vraiment de la succession et de faire fructifier l'héritage musical et commercial d'Elvis Presley. Combien ça vaut aujourd'hui, Yves? Et bon, juste l'an dernier, Elvis a fait 27 millions l'an dernier. Ah oui. Il est dans le top 5 des artistes décédés ayant le plus de revenus en 2016. Incroyable. Mais Yves, comment ça se fait que des icônes comme ça, ils s'en fait plus? Tu sais, il y a eu Michael Jackson dans les années 80. Je peux peut-être entrer John Lennon aussi, peut-être, dans cette catégorie-là. Mais tu sais, des artistes qui, aujourd'hui... Tu sais, il y en a qui sont populaires aujourd'hui. Taylor Swift, Justin Bieber, Justin Timberlake. Mais des artistes de qui on va se rappeler encore 40 ans après leur mort, on va souligner leur décès. Je regarde dans les artistes aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment là, qui me viennent en tête.
Bon, tu as tout à fait raison. Du simple fait que Elvis est le fondateur de la popularité du rock'n'roll, il ne l'a pas inventé. Mm-hmm. Parce qu'il y avait quand même les Jerry Lee Lewis qui étaient là à l'époque, ses contemporains, Chuck Berry. Mais Elvis a fait la jonction à unifier les Noirs et les Blancs. Il a pris le blues des Noirs, il a pris le country des Blancs, il en a fait un style unique. Donc, c'est le détonateur de ce qui a été le mouvement rock'n'roll. Donc, on ne revient pas souvent à la première fois. Aujourd'hui, on est dans les sous-genres. On ne réinvente plus le rock'n'roll. On va joindre le rap au rock'n'roll. On va joindre le country au jazz. On va faire des métissages. Mais le dernier genre musical qui a été créé, à mon avis, propre, c'est peut-être le grunge à la fin des années 80. Oui. Sinon, on va remonter au hip-hop à la fin des années 70, début des années 80. D'ailleurs, Kurt Cobain, le fun que tu parles de grunge, parce que Kurt Cobain est encore une icône. Il est décédé depuis quoi, maintenant, presque 30 ans? Oui, mais on le sait, c'est encore une icône. Oui, mais attendez, on ne fait pas des unes de magazines pour célébrer ou commémorer, pardonnez-moi, le 5e, 10e, 15e anniversaire pour Cobain, de Kurt Cobain. Oui, je pense que ça se fait pour Kurt Cobain. Oui. Mais ce qui est très habile de la part des gens qui s'occupent des héritages de Elvis Presley ou encore de John Lennon, c'est de ne pas surexposer le marché. Il a été surexposé malgré lui, Elvis Presley, avec tous les concours d'imitateurs. Rappelez-vous, à l'époque, les tannants diffusaient des concours d'imitateurs d'Elvis. Et que dire de Elvis Graton? Je veux dire, on est allé dans tous les sens. Oui. Donc, je ne crois pas que ce soit la succession d'Elvis qui ait parfois terni un peu l'image, comme les gens qui se le sont appropriés. Ils ont le droit, ce sont des fans. Dans le cas de Lennon, je suis toujours surpris lorsque je vois des chemises dans des grands magasins de la collection de John Lennon. Je me dis, là, on étire un peu l'élastique. J'ai eu un malaise. J'ai eu un grand malaise. T'as pas vu ça? Oui. Très grand magasin, très populaire au Québec. Pour ne pas le nommer. Ouais. Il y en a un ici, pas loin du centre-ville. C'est un des gros buildings, les plus anciens. C'est marqué chemise John Lennon. Je me dis, John Lennon ne serait jamais... Mais pas que je le connaisse personnellement. Il aime ça faire de l'argent, lui aussi. Yoko Ono aime ça faire de l'argent. Ah, Yoko aime ça faire de l'argent. Mais tu sais, Yves, c'est vrai que, bon, il était un genre de précurseur dans son style, a rassemblé les Noirs, les Blancs, comme tu disais, mais... Oui. Il y avait le charisme aussi. Oui, et ça ne s'achète pas. Non, il n'y en a pas tant que ça qui ont ce charisme-là. Tu sais, il y a peut-être Mick Jagger encore dans les contemporains qui dégage autant. Oui. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup des autres artistes comme ça? Sting, il arrive, ma foi, fort bien. Faites l'exercice suivant. Oui. Montrez à vos enfants des vidéos d'Elvis Presley pendant ses spectacles. Oui. Et ils vont vous dire, il bouge comme. Elvis a écrit le scénario, il a écrit le livre, il a écrit tout ce qu'il fallait faire par la suite. On a, depuis le temps, repiqué ce que Elvis a créé. Ça reste, à mon avis, le plus grand créateur sur scène de ce que doit être la musique pop plus et la musique rock and roll. Beaucoup plus que Michael Jackson. Michael Jackson était d'ailleurs un admirateur. Il a même marié sa fille. Oui. En 1994, je crois, ou 96, à moins que je me trompe. Ça a duré quoi, une demi-heure, ça, ce mariage-là? Trois quarts d'heure, je pense. Quelque chose comme ça. Mais à mon avis, Michael Jackson est un immense créateur. Ce qu'il y avait comme plus sur Elvis Presley, c'est que c'est un auteur, compositeur, interprète. Elvis Presley n'a jamais écrit de chansons qui ont été popularisées. On donnait des points, si vous voulez, des royautés à Elvis pour permettre à quelques auteurs, compositeurs d'avoir un passe-droit pour signer une chanson pour Elvis. Mmh. Mais Elvis est un interprète fantastique, comme Céline Dion peut l'être. Mais c'est pas un gars qui a écrit ni paroles ni musique de sa vie. Mais pour s'approprier une chanson, pour faire de la scène, il est imbattable, à mon avis. Oui, puis Elvis était vendable. Tu sais, qu'on aime ça ou pas, il avait... Tu parlais de Chuck Berry un peu plus tôt, et je vais pas faire de comparatif, mais il avait un très, très joli minois qui plaisait au début de l'arrivée de la télévision. Mm-hmm. Et c'est sûr que c'est un élément qui a dû, vraiment favoriser aussi et propulser sa carrière. Dernière question, est-ce qu'il va en avoir de cette ampleur-là qui vont émaner, selon toi, de la scène internationale, de l'ampleur et de la pérennité, j'allais dire, de Elvis Presley? Qui pourrait surpasser Elvis Presley? Ouais. Il n'est pas encore né, malheureusement. J'aimerais le voir, mais je crois qu'il n'est pas né. Après, les icônes que sont Elvis, Michael Jackson, les Beatles, qui se séparaient quand même la popularité à quatre, les Rolling Stones, on peut parler de Madonna, mais qui a une sérieuse baisse de régime de carrière depuis quelques temps. Oui. Ce sera difficile de trouver quelqu'un qui pourra appuyer dans la longévité l'impact qu'a eu Elvis Presley, c'est clair. Alors, t'es bon pour ton post-doctorat, d'après moi, en Elvis, Yves Larrabie.
famille. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. On va faire une courte pause. Toi, ton idole, ta plus grande idole de tous les temps, musicalement parlant? Moi, je suis plus dans le sport. Musicalement, moi, c'est Metallica. Mon groupe, c'est Metallica, mais ils n'ont pas ce niveau-là. C'est ce que je voulais juste ajouter en terminant. Les circonstances de la mort aussi. Tu sais, le mystère qu'on entretient des fois. Il est sur une île déserte, mort trop jeune. C'est un peu comme Kurt Cobain. C'est l'impression de l'œuvre inachevée. John Lennon, c'est la même chose. Les circonstances de la mort, l'œuvre inachevée aussi. Marilyn Monroe. C'est ça, exactement. Ce sont des morts qui sont exactement inexpliquées, mais la semaine prochaine, soyez pas surpris, le National Enquirer aura trouvé à nouveau Elvis Presley. On va faire une courte pause. Une excellente nouvelle des contribuables qui gagnent contre des géants. Enfin, on va pouvoir, à Montréal, j'espère que ça va arriver chez toi à Québec, payer moins cher les frais pour activer les parcomètres à travers vos téléphones intelligents.